Re-YouTube. Re-bienvenue pour cette sixième VOD. Désolé, le son chaote un peu. Je pense que c'est les serveurs de Stadia. Vu que pour une fois on joue le soir, qui doivent être un petit peu en PLS. Quoi. Mais théoriquement, on devrait pouvoir s'en sortir malgré ça. Oh, y'a monsieur de télé. Oh, depuis des animaux. Allô, Micheline. On va aller ouvrir la porte. Car apparemment elle ne peut pas nous suivre. Elle a des limitations techniques. Allez. Allez, pousse. Pousse la petite boîte. Faut que je fasse quoi? Nicoline, Nicoline. Parfait, viens me voir. Viens donc par chez moi. Où est-ce qu'il faut aller par contre? Ah là là, déjà arrivé, déjà bloqué. Hein. Attendez. Qu'est-ce que j'ai raté? What did I miss? Ah mais oui, je suis con. Oui. Ça paraît pourtant évident. Hein. Mais bon. Je sais pas à quoi ça servait du coup. C'était peut-être pour trouver un chapeau que j'ai pas trouvé. Peu importe, c'est pas grave. Oh, c'est beau. C'est joli. Hein. Vraiment de la gueule ce jeu. Hein. Fais-moi la courte. Vas-y, fais-moi la courte. Cimer. C'est y part. Pour la tyrolienne des enfers. Avec un cintre. Oh non, sérieux, il va falloir que je saute de nouveau. Oh là là, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça, sachez-le. Ça marche, mais j'aime pas ça. J'ai enlevé ma gueule. Au revoir. Ok, nous y sommes. Petite échelle. Ah, il va falloir qu'elle nous fasse la courte, je pense. Ah, le son, ça a l'air d'aller. C'est marrant, ça a vraiment l'air d'aller une fois sur deux, quoi. Ça, ça fait plus vraiment peur, le jeu, là. Ça y est. Ça y est, c'est redescendu dans les tours. Un peu décevant. Hein. Pas du tout, je plaisante. Par contre, c'est toujours aussi beau. Bordel de merde. Bordel de merde. Bon, bah, je suppose qu'il va devoir passer par là. Mais accroche-toi à cette putain de rambarde de fenêtre. Très bien. Ah, bah, yes, nous y sommes. Tout de suite la suite. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop quand il y a des endroits où on peut se cacher comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, mais la plupart du temps, c'est n'augure de rien de dingo. Aïe aïe aïe. À l'aide. Oh là là, oh là là. Oh, cassons-nous. Hein. Un chouïa trop lent sur l'exécution. En même temps, je m'attendais pas à ça. Hein. Je m'attendais pas à ce que la maison se casse la gueule sur ma tête. Même si c'est sûr que ça a l'air un peu vétuste hein, par ici, mais... Comment ça se fait qu'elle court trois fois plus vite que moi? Une fois de plus, il saute. Et il avait raison. Oh non, Micheline!
Migoline ! Sauvons-la. Viens. Ça va, elle est là en un morceau. Can you use your legs, Micheline? It seems like you're okay. Your fantastic, fancy, yellow ciré is okay. Ok, let's go. Oh, c'est beau. J'ai plus ma lampe. J'ai plus ma lampe de poche. Comment? Oh, y'a un mec avec un chapeau sur le mur. Ok, très bien. Je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse là. Je vais prendre ce train. Pour simple exemple. Peut-être devoir se barrer par là-bas finalement. Apparemment il y a quelqu'un qui lui passe au courrier très très souvent. Oh non, encore une télé. Encore l'épreuve de la... Oh, l'épreuve de Cyril Hanouna, ça y est. Ou alors c'est Arthur. C'est peut-être Arthur. Hein. Ça marche plus. Vas-y, mets Nagui. Mets ta ratata. Encore cette porte, toujours la même. Un jour je t'atteindrai. Beachy door. Et là au dernier moment on se fait kidnapper par notre pote. Non, c'est bon, on va l'ouvrir. Oh, on va vraiment l'ouvrir. What the fuck. Oh, Freddy Krueger. J'ai rien dit, ça fait de nouveau un peu peur. Oh, quelle horreur. Oh putain de sa mère. C'est le mélange de la meuf de The Ring, de Freddy Krueger. Et de Slenderman. Oh mais il est terrible. Il est si long. What the fuck. C'est tellement classe. Affreux et extrêmement classe à la fois. On va suivre Micheline. Hein. Suivons Micheline. Je sais pas si elle est partie par là en vrai. Si. Elle en se cache sous le lit. Oh non. Non. Il va kidnapper Micheline. Et merde. Il a emmené Micheline dans la télé. Micheline. Je m'en vais te sauver.
Même si je n'ai plus de lampe de poche. Salut Clem, ça va et toi? Il faut qu'on aille sauver Micheline, elle s'est fait enlever par le Slenderman. Apparemment, nous faisons l'amour à une télé. Mais c'est ouf, c'est vraiment ouf. Y a pas à chier. Ce jeu est dingue. Je pense qu'il va falloir qu'on grimpe par là, sur ce petit guéridon. Bienvenue sur ce live. Tu crois que je suis déjà vers la fin là? Je sais pas du tout, j'arrive vraiment pas à définir où j'en suis dans le jeu en vrai. Je pense que je suis bien avancé. Mais en vrai, au-delà de ça, je saurais pas dire. Il y a peut-être moyen que j'arrive près de la fin. Oh, c'est trop bien. Ah là, la téléportation par télévision interposée, c'est quelque chose. Ok, ouais, j'ai compris. Non, pas dans ce sens là, Michel. Est-ce qu'on peut rentrer de nouveau ici du coup? Ouais, on peut, c'est bon. Tout va bien. C'est Retipa. Oh non. mais c'est pas légal de faire des trucs comme ça. Pourquoi elle a reculé la télé de nouveau? Je vous le demande. Elle est bête. Elle recule toute seule ou Il y a peut-être un timer, un truc comme ça. C'est chelou. Allez, accroche-toi. Allez, tu peux le faire. Tu l'as fait avant, tu peux le faire. Hein. Mais bordel, la poignée. J'ai du mal un petit peu à voir les profondeurs dans ce jeu. En fonction des scènes, c'est un peu compliqué. Mais vas-y, wesh. Bon ouf. Voilà. Attends, juste reculer maintenant, voir où elle a t'éveillé. C'est bon, elle a pas bougé, elle est toujours là. Je me suis fait troller une fois par la télé, pas deux. Ok, very well. C'est reparti. En tout cas, des bonnes ambiances. Hein. J'ai quoi d'autre? Que veux-tu me dire? En jeu? Ou en... En organe? Non mais ça va casser ça. Et ça fait deux fois qu'on voit cette planche, on l'avait déjà vue au début. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre en solution pour finir le jeu? Oh c'est trop bien, c'est trop beau! Non mais non! À l'aide. Les sauts c'est un peu random j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une petite aléatoirisation du jeu au niveau des sauts. Puis sinon si j'appuie pas sur X c'est peut-être normal aussi qu'il saute pas. Hein. Je vais pas m'engager là-dessus mais il y a des chances. En jeu? Oh j'ai moult choses. Bon, en fait je joue sur Stadia, le service de jeu dans le cloud. De Google. Donc en ce moment je suis aussi en train de me retaper Hitman 1 et je vais passer au 2 après. Sinon je suis très très League of Legends comme garçon. Et The Binding of Isaac, dont la dernière extension devrait d'ailleurs sortir fin mars, toute fin mars. On va sûrement y passer des heures. Oh, j'ai une télécommande. Vas-y allume. Oui, il l'a gardé avec lui. Oh. Bah yes, écoutez, ça marche comme la lampe de poche. Aïe aïe aïe, ça pue les énigmes à la con ça. Je vais avoir la possibilité d'allumer les télés à distance. Ça va être du génie. Alors, réfléchissons.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des enveloppes. Je pense qu'on peut descendre. Par contre, tu pouvais ranger ta télécommande, ce serait bien. Merci. Petite musique des enfers. Hein. J'ai toujours peur quand je marche sur une trappe de merde comme ça. Tu sens qu'il peut à n'importe quel moment se passer. À tout moment, il peut se passer une connerie. Pas un truc à faire avec ça. Hop. Si à tous les coups, il y a un truc à faire avec ça. 100%. On peut allumer la télé. Là où? Où est-ce que ça m'emmène si je vais dedans? Ok, donc ça me ramène à l'autre bout. Ok, très bien. Par contre, chiant parce que je vais devoir me... Oh oui, parfait. J'avais pas pensé à ça. Tu montes ou tu attends que je t'invite? Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe? Je peux pas l'ouvrir. Je suis un peu déçu. Je suis trop... Mais attends, mais là aussi je l'avais tiré jusqu'au bout. Pourquoi ça bouge tout seul les trucs? C'est chiant, hein. Allez. Allez, allez, on bouge. On accepte de se faire pousser. Pourquoi c'est Keblo? Bizarre, non? Ah ok, d'accord. Bon, c'est juste moi qui suis con. Très bien. Non, non, mais oui, j'accepte. C'est juste moi qui suis stupide. Allez, let's go. Hop. Ok, c'est Rotipar. On va re-sauver Micheline pour la 8ème fois. Et là, attention, ne pas rater le saut. Ouf. Ah, tu rates ça, c'est chiant. Hein. Faut à chaque fois se retaper les allers-retours, c'est un peu... Mais bon, après, c'est l'aventure. Quoi. Oh là là, la tyrolienne du centre, la fameuse. Est-ce que je vais me faire des amis, vous croyez, ici? Je suis pas sûr. Hein. Putain, cette alerte. Il faut absolument que je change. Non, non, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Rallume la télé. Et merde. Et merde. Elle maillage dessus. Merci du follow. Ça fait plaise. Faut vraiment que je change cette alerte ou que je désactive le son pendant que je suis en train de jouer parce que... On est dans les petites ambiances de Little Nightmares et soudain... Oui. On va peut-être éviter d'éteindre les télés comme ça. Hein. C'est pas... C'est pas dingo. On va les laisser tranquilles hein, ces gens après tout. Hein. Par contre je... Je veux absolument voir ce qu'il y a dans son frigo. Est-ce que t'as une télé dans ton frigo? C'est décevant. C'est très décevant. Ouais, faut que je passe par la fenêtre quoi. Hop. Est-ce que je peux monter dans le frigo? Oh oui, l'escalade du frigo. Que dalle. On ne voit que dalle. J'ai plus l'ampleur, je suis bordel. Okay, est-ce que ça servait à quelque chose d'escalader le frigo ou pas? Je peux pas monter ici non plus? C'est quoi cet enfer? Ah voilà, parfait. Pourquoi s'emmerder en fait au final alors qu'il suffit de... D'allumer la télé. Ah mais merde. Ah oui du coup il faut... Il faut sneaker à côté d'elle quoi. Oh ça va être chiant. Oh ça va être si chiant. Ça va être si chiant parce que je vais éteindre la télé, elle va me courser du coup, il va falloir que je fasse le tour. J'ai allumé l'autre télé donc elle mongolise. Ok parfait. Rallumons là.
On y va. Et on se TP dehors direct. Spim. Fais pas attention à moi. Ah, je peux plus l'étendre, dommage. J'aurais bien dégoûté. Elle est horrible, mais tous les persos sont immondes en fait dans ce jeu. Et la DA est tellement magnifique. Putain, j'en veux plus quoi. Je sens qu'il va être beaucoup trop court. Le premier était court de ouf. Celui-là a l'air bien bien court aussi. Est-ce qu'on sent qu'on approche de la fin? Tout doucement quoi. Tu allumes la télé? Vas-y, vas-y. Appuie sur la télécommande, tu peux le faire. Tu peux le faire. Vas-y. Appuie. Mais il est con. Ok, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est moi qui suis con. C'est du génie. Ils sont tellement cons. Ah, c'est vraiment... Ouf. Oh là là. Non. Remonte. C'est vraiment une critique de Cyril Hanouna finalement. Et de toutes les conneries télévisuelles qu'on nous fait bouffer toute la journée. J'apprécie. Allez, on speedrun. Et c'est reparti. Parfait. Sympa d'avoir mis ces petites tyroliennes partout quand même. Hein. Ils sont gentils les gens par ici. Oh. Oh, quoi? Merde, ils sont fous. Oh, c'est beau, bordel, c'est beau. C'est à la fois horrible et beau. Oh, j'en ai des frissonnades. Une télé, parfait. Oh, ça me touche vraiment, c'est con, hein, mais c'est le genre d'ambiance, ça me... ça me transporte, je me sens transporté. Comme jamais. Allez, ça dégage, hein. Eh ben on a bien fait d'aller pousser la télé, sinon on finissait dans le vide. Et c'était la fin. Mais là, grâce à notre intelligence au-delà de la moyenne, nous pouvons nous téléporter. Et finir cache au bon endroit. C'est pas beau ça. Qu'est-ce que c'est que ce petit levier? J'ai un problème, à chaque fois que je vois des leviers, il faut absolument que je les active. Mais pas là. Non, pas là, non. Ça... Non. Ça pique les pieds sinon. Qu'est-ce que c'est que cet enfer encore? Ah ouais, ça pue du cul. Hein. Je sais pas pourquoi mais... Je crois qu'il va falloir que je cours. Allez, vas-y, vite. Parfait. On s'est occupé de Jean-Mi. On peut lui marcher dessus. Beaucoup de plaisir. Hein. Beaucoup de plaisir. Ok, allons-y. Merci pour la porte. Hein. Merci beaucoup pour la porte. En fait, on joue une petite ordure. Ce personnage est une ordure. Il est dégueulasse. Vas-y, allume. Le levier m'a tout l'air dans un état assez lamentable. Comment ça? Ah ok. On m'appelle desktop. Dans le milieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je sais ce que c'est. Pourquoi il y a un logo d'œil là? C'est quoi ces conneries? La 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 li la li lu.
peut faire quelque chose avec ça. Ou est-ce que c'est rien? Non, apparemment pour rien faire, c'est juste de la décoration. Ok, allons activer le petit ascenseur. C'est laborieux, mais en même temps avec mes petits bras, je ne ferai pas mieux. Ok, d'accord, et la télé est ici, parfait. I get it. Non, non, mais bien meilleur. Ok, pour rien faire d'autre, je pense qu'il faut vraiment qu'on se barre d'ici. C'est quoi si on passe par là du coup? Est-ce qu'on crève? En effet, c'est le décès. Mais il fallait essayer. On peut grimper là? Non. Ça me stresse ce truc là. J'arrive pas bien à voir ce que c'est en plus. Ce petit dessin. Allez, on y va. Alors faut d'abord activer le levier qui est dans l'ascenseur si ça se trouve pour le faire remonter. J'aime bien cette petite musique là qui passe là. Je trouve ça assez plaisant. Ah oui, si ça se trouve c'est ça. Il y a moyen que ce soit ça. Nice. Je sais pas du tout où je vais mais j'y vais. Et ça c'est beau. J'ai pas entendu quelqu'un faire à l'instant. Et là du coup si ça se trouve faut juste que je redescende et ça m'a ouvert un passage dans la cage d'ascenseur. Allons voir. C'est reparti, toujours plus d'ordures et de déchets. Est-ce qu'il y a un truc dans cette valise? Intrigue. Que c'est? C'est un truc qui fait schling et schling. Je peux rien faire d'autre. Il est où le truc qui fait schling schling? C'est toi? Non, c'est une chaussure. Ce n'est qu'une chaussure. T'assures, chaussure. Qu'est-ce qu'il y a par là du coup? Est-ce que je meurs si je descends? Pas sûr, hein. Alors, attendez. Faut qu'on réfléchisse. Parce qu'on voit qu'il y a des trous quand même à droite à gauche. C'est quoi ce machin? Wesh. C'est un bouton? C'est quoi? Attendez, je vais essayer d'interagir avec. Il faut absolument que j'arrive. Je suis sûr qu'on peut faire un truc avec ça. C'est pas là gratos quand même. Un dessin aussi clair et net. Aussi clair et net. Faut pas être là. De manière complètement aléatoire. Si? Putain, si. Je suis un peu deg. Bon, attendez, réfléchissons. Réflexissons. Je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'on me demande ici. On va refaire le move. Il doit y avoir un truc. En fait, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est que l'ascenseur s'arrête à l'étage intermédiaire, là où la commande est niquée. Ok, donc, toi, je t'ouvre. Je passe là, je me glisse, subrepticement, je monte, j'active le levier, j'active la télé. Vous voyez, je puisse passer... Genre, cet étage-là.
pense vraiment que c'est ça. Et comment faire cela par contre? C'est un peu plus compliqué. Vu que ça, on peut pas l'activer. Allez, lance la patate dans le trou. C'est chelou quand même. Si je réactive le levier du coup. Et que je passe vite dans la télé. Que j'y repasse maintenant. Oh, il faut que j'aille dessus. Oh putain, je me suis raté. Je me suis raté comme un con, mais j'ai compris. I get it. J'ai compris. C'est le même système qu'avant en fait. Ok. Putain, le jeu est si fort. Je vais encore baisser un peu. Hein. Ok, donc l'idée c'est de faire. Stack. Stack. Et là, vite. Hop. Et là, hop. Et bim. Face plant. T'as qu'à pas être au milieu de mon chemin, toi. Qu'est-ce que... Il y a un petit chemin derrière. Ok. Non. Désolé, je voulais pas te faire tomber. Je suis confus. Un peu con et très fou. Ouf. Ok, c'est... The floor is lava. C'est raté. Oh putain. C'est chaud. C'est chaud, The floor is lava. Ok, ça marche. The floor is lava, ça fonctionne. Non. Oh là là, putain, mais les profondeurs sont tellement dures à gérer. C'est compliqué. Ouf, je crois que j'allais me casser la gueule. Gratuitement. Into l'électricité. Putain. Ok, ça passe. Qu'est-ce que je peux faire là? Réfléchissons. Alors, mamie, elle regarde sa télé. Ok, jusque-là, tout va bien. Est-ce que je peux interagir avec quoi que ce soit? Si je coupe sa télé à mamie, est-ce qu'elle m'emmerde? J'ai l'impression que j'ai pas la range. J'ai pas la range pour couper la télé. Mais alors sinon il suffit de passer. Ah, je me disais aussi, c'était un peu simple. Aïe. Ah mais j'ai peut-être la range pour sauter sur le chiotte. Ça dit comme ça, c'est bizarre hein, quand même. Il y a un truc étrange là-dedans. En fait, je serais con de faire le tour, il suffirait que je fasse ça et puis... Et paf, la télé de mamie. Non, non, fous-moi la paix. Oh, j'ai grillé mamie. Eh bah, désolé. Du coup, je peux débrancher? Non. Débranche! Oh merde, j'ai pété la télé du coup. Eh bien, casse la tienne. Nous allons voler le tabouret. Pour une bonne raison, n'ayez crainte. Tout ça n'est bien sûr qu'une mascarade afin d'ouvrir la porte. Oh là là, ils sont de nouveau là.
The TV people. TV people. C'est terrible, hein. Et quoi par là? Oh, il y a des trucs partout. Ça y est, des chemins dans tous les sens. Je ne sais plus où donner de l'esprit. Est-ce que je peux grimper là-dessus? Oui, mais pourquoi faire? Pour faire des tractions, bien évidemment. Je suppose que, vu que j'entends de l'électricité là en bas, à mon avis... Il faut très certainement que je pousse ce chariot. Et que je monte dessus. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a glitché? J'ai pas compris. Je me suis envolé à l'infini. Je me suis envolé vers l'autre bout du monde. The floor is lava. Ok, faut juste que je pousse le chariot en fait. De manière à ce qu'il tombe, que je puisse sauter de, sur lui pour qu'il me serve de plateforme intermédiaire. Faisons ça. Non mais, tu viens. Tu viens. Je t'ai pas volé au Leclerc pour que tu m'écoutes pas. Ok. Ouais, hop. Sur le parking du Auchan tout de suite. Oh, est-ce que ça va vraiment... Oh là, il se replace. Il se replace parfaitement. Merci le caddie. Hein. Merci le caddie. On n'oublie pas de remercier les caddies. Merci à tous les caddies. Ok. Mais comment passe ce jeu? Ah, faut peut-être juste que j'aille par là en fait. C'est cela, ouais. Allez, ça dégage. Ok, allons-y. Oh là là, le gameplay est ouf. Le gameplay est dingue. C'est parti pour désactiver le courant. Je suppose que maintenant on peut passer. Yes, nickel. J'espère juste qu'il n'y a pas une minuterie, que ça va pas se réactiver quand on n'en a pas envie. Pourquoi il fait nuit? Attends, mais il y a une télé là. Qu'est-ce que je dois faire? Pas très pratique tout ça. Attendez. Réfléchissons. Ici, il n'y a pas de télé. Mais attendez. On peut bouger la chaise? Non. Sinon, je me serais juste contenté de sortir et hop. Hein. Je peux aller sur le lampadaire? Je suis pas sûr. Ok, donc là il y a nouveau du jus. Et pourquoi faire? Pourquoi je mets et j'enlève le jus? Qu'est-ce que... à quoi ça mène? Qu'est-ce à dire? Eh oui, c'est l'accident bête. Bah oui, forcément. Forcément. J'aurais dû allumer la télé de loin, je pense. Bon, on entend que le jus est encore activé, c'est parfait. On va repasser par là. Ah, elle est déjà allumée, d'accord. Donc, et on peut l'éteindre.
On n'a pas vu de deuxième télé en fait. C'est ça qui me pose un peu problème dans l'affaire. Parce que du coup on en a une ici. Qu'on peut soit allumer soit éteindre. On peut repasser dehors. Non, on peut pas retourner dehors non plus. C'est pas une télé ça. Non, c'est pas une télé non. Pendant un moment je me suis dit, mais tu es stupide. Mais il n'en est rien, ce n'était pas une télé. Grimper directement ici, j'ai cru pendant un moment, je me suis dit ah mais pourquoi s'emmerder avec le bureau du coup. Eh bien tout simplement parce qu'on est obligé. Ok, donc on coupe là, admettons. Admettons. Pourquoi faire? Juste. Ah! J'ai peut-être une idée. On peut trimballer des trucs. Sinon, l'idée, ce serait juste de se créer un espèce de pont jusqu'à la télé, en fait. Je suis pas sûr qu'on puisse trimballer des trucs, en fait. Ah, mais le chariot! Eh oui, le chariot. Allons-y. Ouais, non, on va en avoir besoin. Oh! C'est compliqué quand même. Attendez. Alors, je saute sur le chariot. Je vais remettre le courant. Et... Ouais, ok, 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 ok. Donc on peut mettre le chariot là-bas. Vu qu'on n'a pas besoin du chariot pour aller de l'autre côté quand il n'y a pas d'électricité, on peut aller le placer intelligemment là-bas. Parfait. De manière à ce qu'il nous serve également de support intermédiaire pour nous rendre à la télévision. Chez Cyril Hanouna. Allons-y. Ok, on passe par là, pif, paf, on s'accroche, la fête, on est content, joyeux anniversaire. On remonte sur le bureau avec les peluches qui font peur là. Top. On remonte sur l'étagère, qui a sûrement une Billy, hein. Sûrement une Billy chez Ikea, on les reconnaît. Hein. Très bonne qualité. Paf, on passe par là, on essaie de ne pas mourir. On passe par là. Putain mais comment je vais faire ça? Ah ils ont mis une planche pour montrer d'où on doit sauter. Oh c'est intelligent. Oh c'est de la merde. Oh c'est de la merde. Je pense que je n'ai pas poussé assez loin. Oh dis-moi que le chariot est à la place, à la bonne place et que je dois pas tout refaire. À l'aide. Oh les bâtards, je dois tout me retaper. Les bâtards, les grands bats, c'est pas très cool ça. Bon après cette séance, cette magnifique séance de gymnastique et de tirage de chariot, je ferai une pause de VOD je pense. Look. Ok, let's go. Let's go tirer le chariot. On va le mettre un peu plus. Est-ce qu'il s'est placé tout seul du coup au bon endroit? J'espère. Ok, on remet ça. Hop. Let's go. Je saute. Je saute. Je saute. On met le jus. On s'accroche. On saute. On saute. On saute.
On tombe sur le chariot qui est bien placé cette fois-ci. Et parfait, into the télé. Et c'est nickel. Et nous sommes passés et c'est la fin de cette VOD pour le moment. Encore que, j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie d'aller... Allons un peu plus loin. Toujours plus loin, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Oh, il y a encore les TV people. Je me glisse, hein. Excusez-moi. Désolé. Oh! Vous voyez faire un truc avec la vitrine. On peut pas passer, hein. Non. Qu'est-ce qu'on fait si on leur coupe la télé là-bas, du coup? Bref. Ils vont sûrement voir la télé là. Et ils vont venir la voir. Parce que c'est des accros. C'est des drogués à la télé. Exact. Du coup, je peux retourner à la télé. L'allumer. Monter. Rentrer dans la télé. Oh là là. Oh, ils sont pas contents. Hein. Oh, j'ai cassé la télé, merde. Oh, ils vont être vénères. Ils vont me péter la vitrine. Ils vont me péter la vitrine. C'est écrit. Monte, vite, cours. Te laisse pas te faire péter la vitrine. Ok, il y a des télés. Ils vont être teubés, il y a des télés. Oh putain. Bon, ça va être parfait pour une pause de VOD après ça. Je pense que maintenant la pause VOD s'impose après cette petite séquence de stress, mais de plaisir. Des bisous YouTube, merci d'avoir regardé cette VOD, n'oublie pas bien sûr de me dire ce que tu en penses, c'est important, à partager autour de toi si les gens aiment faire des cauchemars. Et des gros bisous, à tout de suite pour la suite, ou à demain en fonction de comment je vais diffuser les VOD. Nous verrons cela, je suis très enroué, c'est une catastrophe, je vais boire de l'eau, au revoir.